Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Voilà. Ici, on est dimanche. Vous, normalement, on est mardi. Donc, j'ai préparé mes petites bases et je vais continuer dans mes ACC. Alors, je vais enlever mon gilet parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon gilet, mais à vrai dire, j'ai moins froid. Voilà, parce que j'avais froid, j'étais à la fenêtre tout à l'heure en train de guetter les avions, j'allais dire les avions du Tour de France. Bien sûr, ça va mieux, moi, ça va bien mieux. Les avions du 14 juillet. Voilà. Donc on était parti dans la mer. Je pense qu'on va faire toute cette semaine des choses de la mer. Donc là, il y a des très jolis fonds. Je vais essayer de pas tous les défaire. Là, il est coloré. Quand j'avais fait mon haul, je sais même pas si vous l'avez vu encore, j'avais dit celui-là, il est vraiment bien parce qu'il est vraiment coloré. Donc, on va s'occuper de celui-là qui est vraiment coloré. Sympa. Sympa, sympa. Donc, je vais toujours pas le déchirer. J'ai un peu de mal à les fonds comme ça, les faire déchirer. Les trucs déchirés, en fait, moi je trouve que c'est bien pour les trucs vintage et tout, mais après là, les fonds un peu maritimes comme ça, j'avoue, j'ai un peu de mal. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, pas dans le sens là, coco. On y va. Ah, j'ai mis un peu trop de colle, bon, pas grave. Il est beau, hein, celui-là, vraiment, il est vraiment beau. Hey, hein? Non mais oh, c'est bien découpé ça. Ouais, je peux mettre comme ça se verra pas trop. Allez. Non, je vais pas mettre comme ça. Ah ouais, je vous fais des feintes. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? La fille, elle s'interroge. Toujours à la dernière minute. Ah non, moi j'ai rien sorti. Ben, si on mettait du orange, hein, ça va le faire. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc, on va mettre du orange. Ici. Hop. Un peu. J'ai pas de fuchsia. Oui, je vous pose la question, mais des fois vous savez mieux que moi ce que j'ai. Hein. Non, du bleu peut-être. Allez, du bleu. On va mettre du bleu. Et là, je suis sûre que Célie de la chaîne Célie Scrap, auquel je fais un coucou, va se dire, non mais elle prend des trucs trop moches et au final, je sais pas ce que ça va donner. Mais ça va pas faire terrible. Parce que j'ai entendu dans sa vidéo qu'elle disait que quand elle regardait des trucs de collage, bon, pas forcément les miens, hein, mais ceux des grandes colleuses, je sais pas comment on peut dire, et ben du coup, elle regardait et au début, elle se disait, mais elle se dit, mais ça va pas, ça se mélange pas bien du tout les couleurs qu'elle a choisies, la nana. Et qu'est-ce que ça va donner au final, quoi? Ouais, moi aussi, je me le dis des fois quand je suis en train de faire mon truc. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que ou dans quoi je me suis empêtrée? Puis au final, bah écoutez, c'est pas mal. Donc là, j'ai fait un petit fond de couleur. Bon, j'aurais voulu un rose un peu plus flashouille là, mais j'en ai pas trouvé. Donc ça ira avec ça. Et je vais coller ce qui coller. Non, découper, pardon, ce qui dépasse. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de bah justement de Célie Scrap avec Yu Laurie. Elles se sont rencontrées et elles ont fait une après-midi scrap. Voilà. Alors moi, franchement, je pense pas que je saurais faire une après-midi scrap avec quelqu'un parce que souvent, je scrappe bah, déjà un pour les vidéos aussi. Et j'aime faire les vidéos, j'aime tout ça, tout ça. Et avoir quelqu'un à côté
qui me regarde ou qui me dit fais ci, fais ça, ou moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Je suis pas sûre que ça me stimule, moi, de mon côté. Après, chacun, ça m'étonne. Hein. Mais moi, je vous avoue que je pense que ça me bloquerait plus qu'autre chose. Je sais pas, vous, si vous préférez scraper dans votre coin ou si vous préférez scraper, je sais pas, entre... pardon, je suis en train de chercher une étiquette, scraper entre copines ou en club, ou voilà, ou en, non, pas en club, en association, ou quoi que ce soit. Moi, je pense que je n'y arriverai pas. Par contre, des fois, bon, avec mamie, c'est pas pareil. Enfin, mamie, c'est mamie, quoi. je sais pas, elle est pas... Ah, mais tout ça, il va falloir que je les utilise. Mais pas maintenant. Je voudrais une étiquette... Ouais, c'est pas très... Ah, la ronde, là, il y a une ronde un peu plus loin. Ouais, celle-là, je vais prendre celle-là. Mine de rien, ça peut faire un effet hublot. Vite fait, hein. Mine de rien, j'ai dit. Oh bah voilà, comme d'hab, j'emmène tout. Ah oui, j'étais en train de choisir une nana. Elle est sympa. J'en veux une en hauteur. Bon, le parapluie dans la mer. Hein, je suis pas trop sûre. Elle aussi a un parapluie. Elle est trop belle. Elle est très jolie. Fait penser à Margot quand elle était petite. Elle aussi elle est sympa. Vous voyez, je la mettrais comme ça. Du coup, on verrait pas trop les washi. Ou elle. Elle, elle. Non, mais vous voyez, à chaque fois. Hein, à chaque fois, j'essaye pourtant de trouver d'autres. Mais au final, la première que j'ai choisie, bah souvent, c'est celle que je préfère. Comme quoi, je ne vois pas pourquoi je me casse la tête à en chercher une autre après. Hop. Le petit transparent à la poubelle. Et on va coller la mise ici. Parfait. En plus, elles font, ben, je suis pas dans le champ. Elles font pile poil la hauteur des ACC. 7,5. 7,5, 12,5. 7,5, 12,5. J'ai encore eu des demandes, donc je me répète, je me répète, je me répète. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait n'importe quoi. Ensuite, on va peut-être prendre des gros poissons, comme celui-ci, par exemple. Orange, ça va rappeler sa petite robe. Enfin, sa petite robe, sa robe. Ah, ça y est, c'est l'heure de faire les bêtises. De faire son intéressante. Non. Qu'est-ce que t'as, choupette? Chaque fois que je fais une vidéo, là, aujourd'hui, elle fait... Alors, c'est Snowy. Hein. Elle veut jouer, mais je crois que Niji est pas trop joueuse. Elle est plutôt bagarreuse. Ah. Hop. Donc, un Nemo. Oui, on les appelle comme ça. C'est pas des Nemo, c'est pas son clown. Oui, je sais. Je fais mes questions, mes réponses maintenant. Zut. Un petit poisson clown. Voilà, on est content. Alors, si vous entendez du bruit là dans le salon, elle s'excite là. Elle en jouait, elle court avec. Elle le balance, elle le rattrape. Je crois qu'elle pleure après son jouet, quoi. Elle joue en fait. C'est comme quand on est petit et qu'on. On s'invente quand on joue à la maîtresse ou quand on joue quand on joue tout simplement. Voilà. Et si pour casser un petit peu le truc, je venais mettre les petites étiquettes comme ça, genre ça n'a rien à voir. Mais c'est pour les utiliser. Hop, je vais faire un petit. Mais ça bouge, hein. Ça bouge mon trépied là, hein. Ouais, ça bouge. Bah, c'est... Je sais pas. C'est je sais pas. Vous connaissez le je sais pas? Tiens, ça, je vais la mettre debout. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Est-ce que je peux la mettre en dessous? Je sais pas.
Mais la fille, elle est sur son bureau, elle fait des créations, elle parle toute seule et elle raconte n'importe quoi et elle rigole de ses bêtises. C'est normal ça? Vous trouvez ça normal vraiment? Vous trouvez que je suis normale? Je sais pas. Non, moi je sais que je suis pas très. Hein? Pas très, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Celui-là, là, tout noir. Alors, plein milieu. Voilà, on fait un petit tas de. Un petit tas d'étiquettes. Hop, 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 hop. On renroule, on renroule. Voilà. Tac. Je vais rajouter un autre truc. Hippocampe, je crois qu'il y en a un. Voilà, il y en a un en rouge. Je vais le mettre là. Histoire de garnir un peu. Ah, mais il y a un arrondi. Super, je vais prendre l'arrondi. Tout le tour là. Je suis contente parce que j'ai eu des bons retours de personnes qui m'ont dit que. Bon, c'est pas moi qui ai inventé le truc, hein, mais elles ont sûrement pas dû voir les vidéos que moi j'avais vues pour connaître l'astuce de défaire les. Comment? Pour décoller les stickers. Enfin, pour découper. Au scalpel, les stickers qu'on a besoin. Ouais, super l'astuce. La fille, elle est en train de parler de son astuce. Et elle n'y arrive plus. Au scalpel, voilà. Et qu'elle disait qu'elle y arrivait de mieux en mieux. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Partager les astuces, ça fait partie du partage de créatif, quoi. Les vidéos, c'est du partage créatif, c'est ça.